et avec deux vedettes qui sont très jeunes, qui sont deux vedettes très prometteuses du cinéma français, Sandrine Bonnaire et François Cluzet. C'est un premier film d'Olivier Langlois qui s'appelle Jaune Revolver et c'est un reportage de William Carrel et de Bruno Cusa. Olivier Langlois termine dans les Alpes, à 2500 mètres d'altitude et sous la neige, son premier film, Jaune Revolver. Une histoire d'amour sur fond de polar. Une obscure employée de banque, Sandrine Bonnaire, est prise en otage au cours d'un hold-up. Libérée, elle va rencontrer une jeune journaliste, Laura Favalli, qui va la suivre et souvent la précéder dans une cavale sanglante. François Cluzet y est un inquiétant agent d'assurance. Garde le silence. Moteur. Bien la tête de ton prénom, toi. Sensiblard et presse du cœur. Nous deux, Confidence, la vie du rat. Bon sens de la connerie. En plus, t'es une planche au plumeur. T'es une planche. Qu'est-ce que t'as dit, la tête? J'ai une planche au plumeur. C'est une fille très maligne, qui dévoile pas beaucoup de choses. Elle cache tout. C'est une fille cinglée quand même. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'au début, elle est très sage, très fade. Je la trouve fade au début. Et donc, et en même temps, elle a une folie. Contrairement à Leslie, qui elle est très ouverte, très excentrique un peu. Mais Leslie n'est pas capable de tuer. Alors qu'Angèle, c'est le contraire. Et elle tue presque sans émotion. Tout est à l'intérieur. Elle pourrait tuer comme de prendre un verre de vin. On s'amuse beaucoup ensemble et puis il y a vraiment des liens qui sont créés au fur et à mesure parce qu'on ne se connaissait pas du tout, ni Sandrine et François, ni moi et eux, quoi. Puis maintenant, il se passe vraiment quelque chose entre nous. Elle me donne beaucoup, elle m'apporte beaucoup de choses. Et je sais pas, il y a des fois où il y a des choses que je sais pas et elle m'aide, quoi. Et François aussi. Son travail, c'est de retrouver l'argent. Ce qui l'amène évidemment à rencontrer Angèle, puisqu'il est l'otage. Et il rencontre une femme dont il a le sentiment qu'elle pourrait être aussi son amoureuse. Donc ça va être un peu un chantage entre qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai les moyens d'exercer mon métier, de retrouver l'argent, ou est-ce qu'on peut s'aimer? Alors, Francis Cluzet. Jean-François Bonnaire. Alors, Tina Kolonchia. Bien entendu. Voilà, Jaune Revolver, donc, qui sortira en septembre, premier film d'Olivier Langlois, avec Sandrine Bonnaire.